Ce soir, nous allons parler de l'Afrique et du Togo.
Nous allons prier pour l'Afrique. Et nous allons prier pour le Togo. Parce qu'il est temps que l'Afrique sorte de la malédiction. Il est temps que l'Afrique sorte de la malédiction. L'Afrique est dans une malédiction. L'Afrique est dans une grande malédiction. Donc il est temps que l'Afrique sorte de sa malédiction. Si vous voyez un pays dans lequel les étrangers dominent, vous devez savoir que ce pays est sous une malédiction. Si le pays est béni, les autochtones sont chefs ou bien têtes dans ce pays. Mais si le pays est maudit, les étrangers sont têtes dans ce pays. Les étrangers deviennent têtes dans le pays. Dans le nom de Jésus. Veuillez nous excuser. Nous allons vérifier notre connexion. Je ne sais pas si la connexion marche. Ça marche. Ça va. Ok. Donc on rend grâce à Dieu pour la connexion. Que Dieu soit béni. Dans le nom de Jésus. Lorsque vous voyez un pays. Un pays dans lequel les étrangers dominent. Vous devez savoir que ce pays est sous malédiction. Dans un pays où le commerce est dans les mains des étrangers, les grands restaurants sont dans les mains des étrangers, les grands hôtels sont dans les mains des étrangers, les grandes entreprises sont dans les mains des étrangers. Les grandes sociétés sont dans les mains des étrangers. Les usines sont dans les mains des étrangers. Vous devez savoir que ce pays est dominé. Ce pays, la population de ce pays est dépossédée. Ils sont dépossédés de leur domination. Parce que les domaines avantageux du pays sont dans les mains des étrangers. Les terres sont presque achetées par les étrangers. C'est pas une bénédiction. C'est dans la sagesse de Dieu. Ce n'est pas une bénédiction du tout. C'est une malédiction. Un pays ne peut pas prospérer lorsqu'il est dans les mains des étrangers. Les étrangers aussi sont venus travailler pour aller construire leur pays d'origine. Ce n'est pas pour construire votre pays qu'ils sont là. Ils sont venus pour chercher de l'argent chez vous pour aller construire aussi leur pays. Donc si vous, votre pays est dominé par des étrangers, vous devez savoir que vous êtes sous une malédiction, sous une domination étrangère. La Bible déclare dans Deutéronome 28, verset 32. La Bible dit là-bas, tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux. Et ta mère
sera sans force. Regardez là, Libye. Les Africains sont des esclaves en Libye. Mais les pays africains sont incapables d'aller chercher leurs fils là-bas. Ils sont, c'est ce que la Bible dit, c'est une malédiction, ils sont sans force. Ils sont sans force. Leurs fils sont livrés. Dans d'autres pays. Mais ils n'ont pas la force d'aller les arracher. C'est une malédiction. La Bible dit encore. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail. Et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. C'est une malédiction. Ce n'est pas une bénédiction. Lorsque toi tu travailles, tu es togolais, tu travailles au Togo. Et ce que tu fais là, c'est pour les étrangers. C'est une malédiction. Ce n'est pas une bénédiction pour toi. Ce n'est pas une bénédiction. Pas du tout. La Bible dit encore. Tu engendreras tes fils et tes filles et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. L'océan a englouti beaucoup d'Africains aujourd'hui. L'océan a englouti beaucoup de jeunes Africains qui sont en train de chercher un lendemain meilleur. Et qui sont en train d'aller vers un pays où le bonheur est partagé. Et malheureusement, la mer les a engloutis. Pourquoi ces jeunes ne sont pas rentrés chez eux? Parce que chez eux, c'est les étrangers qui dominent. C'est les étrangers qui dominent dans les pays africains. Au Togo, c'est ça. Au Congo, Zaïre, c'est ça. Bon, l'Afrique, c'est comme ça. C'est une monnaie courante en Afrique. L'Afrique, les endroits ou bien l'économie africaine est entre les mains des étrangers. La Bible dit encore, l'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus haut, plus au-dessus de toi. Et toi, tu descendras toujours plus bas. C'est ça la malédiction. Lorsque l'étranger est, les étrangers sont PDG. Vous serez quoi? Vous, les autochtones de ce pays, vous serez quoi? Alléluia. Amen. Jésus est venu pour la justice. Chacun n'a qu'à dominer chez lui. Chacun n'a qu'à dominer chez lui. C'est comme ça que Dieu a créé les nations. Dieu a créé les nations pour que chacun domine chez lui. Donc, lorsque vous, chez vous, c'est d'autres personnes qui dominent, c'est quand vous-même vous êtes dépossédé. Vous êtes dépossédé. La Bible dit encore. Deutéronome, toujours dans Deutéronome 28, verset 44. L'étranger te prêtera. Et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête. Et tu seras la queue. Dans un pays, lorsque l'étranger est tête et toi tu es queue, tu penses que c'est un bonheur?
Ce n'est pas du bonheur. C'est une malédiction. Regardez chez nous, par exemple, au Togo. C'est les étrangers. L'argent, l'économie, c'est les étrangers. Nos terres aujourd'hui sont en train d'aller dans les mains des étrangers. Nos terres. Vous voyez, nous sommes dans une malédiction en Afrique. Oh, la Bible dit, dans une bénédiction, si nous lisons le livre d'Ésaïe, Ésaïe, le chapitre 65, c'est ça. Je vais lire ça rapidement. Le chapitre 65, le verset 21. La Bible dit là-bas. Le verset 21 dit oui. Ils bâtiront des maisons et ils les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. C'est ça qu'on appelle une bénédiction. Donc l'Afrique n'est pas dans une bénédiction. Mais l'Afrique est dans une malédiction. Et ce sont les élites africaines qui doivent se lever. Ce sont les leaders africains qui doivent se lever. Qui doivent se lever pour leur continent, pour l'Afrique. Dans le prophète Daniel. Daniel, bien sûr, malgré qu'il était dans la faveur des rois, des Perses et des Mèdes. Mais il savait qu'il était un esclave. Il était premier ministre, conseiller du roi, tout ça là. Il était dans la faveur totale des rois de Babylone, des rois des Perses et des Mèdes. Mais chaque soir, Daniel priait pour l'autonomie de son peuple. Daniel priait pour que son peuple soit délivré de la servitude. Il priait chaque soir. Je me demande, que font nos leaders en Afrique? Est-ce que nos leaders sont pour l'Afrique ou bien ils sont pour leurs intérêts? C'est la grande question à se poser. Nous avons, Dieu nous a donné un grand bien qui est l'Afrique. L'Afrique regorge des trésors inestimables. Mais nous sommes assujettis, asservis. Notre jeunesse meurt dans les eaux, dans les mers. Vous voyez, nous sommes dans une servitude et nous devons prier. Il faut la justice avant d'être sauvé. Il faut nécessairement la justice. Il faut que la justice trouve sa place en Afrique. Je me rappelle, lorsque Noé avait sauvé la terre en son temps, ce n'était pas sa justice.
Lorsque c'était par sa justice, lorsque l'autre là, Daniel, avait prié pour que son peuple soit libéré, Daniel a réussi. Daniel a dit, Dieu l'a exaucé. Dieu a affranchi son peuple. C'était grâce à la justice de Daniel. Daniel, Job a sauvé sa vie. À travers sa justice, il a sauvé ses biens. Satan a comploté contre lui. Mais la justice de Job l'a sauvé. Pour avoir le salut en Afrique, il faut la justice. Il faut la, que la justice soit établie. Dieu est un amour. Dieu est un Dieu de justice. C'est un amour de la justice. Donc c'est pourquoi il a dit que dans un pays, si un pays péchait contre lui, et Dieu a décidé d'effacer ce pays de la surface de la terre. Et dans ce pays, il trouvait Daniel. Il trouvait Job. Il trouvait Noé. Ils sauveront leur vie par leur justice. Ils ne sauveront ni fils ni fille, mais ils sauveront leur vie par leur justice. Mes chers, nous avons besoin aujourd'hui de sauver notre continent. Il faut que cette valeur soit notre partage. La justice. Vous savez, il y a une chose. Pour dépasser une voiture, on nous apprend à l'auto école de redoubler de vitesse. Avant de dépasser une voiture, il faut d'abord redoubler ta vitesse. Nous avons des forces en Afrique. Nous sommes l'Afrique. Mais ce que vous ignorez, vous les Africains sous-estiment, je vais dire sous-estiment la puissance occidentale. Et Afrique tout là, où mettons là, ils sous-estiment leur puissance. Vous avez des vaudous ici. Mais eux là, c'est que Jésus a dit, avant de construire une tour, il faut d'abord faire des calculs. Les blancs pensaient qu'en arrivant chez vous ici là, vous pensez qu'ils n'ont pas fait des calculs? Ils ont fait des calculs. Ils sont venus avec des puissances supérieures à vos puissances. Vous adorez des legba, tout ça là. Mais eux, ils ont transporté Satan même pour venir. Ils ont transporté Satan même. Satan a eu vos droits africains. Ah, vous pensez que franc-maçon c'est quoi? C'est Satan même. Satan a eu. Vous pensez que Illuminati c'est quoi? C'est Satan même. Satan a eu. Il y a encore d'autres clubs. C'est avec ça qu'ils sont venus. Nous m'ayons comme. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trompé nos leaders de rentrer dedans afin de pouvoir les contrôler. Et actuellement là, nos leaders sont sous contrôle. Ils vous ont eu. Mais nous là, nous avons une puissance supérieure. Nous avons l'esprit de l'Éternel. Nous avons l'esprit du Dieu vivant. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons le rocher des âges. Nous avons le grand des grands. Le président des présidents. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. L'invincible. L'imbattable. Le Dieu de tous les dieux. Le Père de tous les esprits. C'est ça.
C'est ça que nous avons. C'est pour cela que nous allons vaincre. Nous allons vaincre. Avec notre Dieu. Nous allons vaincre pour l'Afrique. Avec notre Dieu. Nous allons vaincre pour le Togo. Parce que nous l'adorons sincèrement. Nous l'adorons sincèrement. Nous l'adorons en esprit. Nous l'adorons en vérité. C'est pourquoi ce soir, je maudis les puissances accidentales, les puissances démoniaques qui empêchent le décollage de l'Afrique. Je les maudis au nom de Jésus. Je maudis les puissances occidentales. Je les maudis. Que les puissances occidentales soient anathèmes. Que les puissances occidentales soient anathèmes. Les puissances occidentales qui contrôlent le Togo soient anathèmes. Les puissances occidentales qui contrôlent le Ghana soient anathèmes. Les puissances démoniaques occidentales qui contrôlent la RDC soient anathèmes. Les puissances occidentales démoniaques qui contrôlent le Zimbabwe soient anathèmes. Les puissances démoniaques occidentales qui contrôlent l'Afrique du Sud soient anathèmes. Les puissances occidentales démoniaques qui contrôlent le Tchad soient anathèmes. Les puissances occidentales démoniaques qui contrôlent la Centrafrique soient anathèmes. La puissance démoniaque occidentale qui domine le Bénin soit anathèmes. La puissance occidentale anathèmes qui domine le Burkina soit anathèmes. En ce moment, la puissance démoniaque occidentale soit anathèmes. Anathème. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la puissance démoniaque soit anathème. Dans le nom de Jésus. La puissance démoniaque occidentale soit anathème en Tanzanie, soit anathème en Ouganda, soit anathème en Somalie, soit anathème en Djibouti, soit anathème au Mali, soit anathème en Algérie, soit anathème en Libye, soit anathème en Égypte, soit anathème au nom de Jésus, au nom de Jésus, en Angola, l'influence démoniaque pour détruire l'Angola soit anathème, pour créer des conflits en Angola soit anathème, dans le nom de Jésus, que les puissances occidentales soient anathème, au nom de Jésus, il est temps que le développement en Afrique ne soit plus une affaire de népotisme, ni de clan. Il est temps que le développement en Afrique ne soit plus une affaire de népotisme ni de clan. Il est temps que le développement en Afrique ne soit plus une affaire de clientélisme. Il est temps que le développement en Afrique ne soit pas une affaire de régionalisme. Il est temps que le développement en Afrique ne soit pas une affaire de tribalisme. Il est temps que le développement de l'Afrique, l'épanouissement
l'épanouissement de l'Afrique ne soit plus une question de corruption dans le nom de Jésus. Le président Donald Trump, il a créé America First. Moi je dis Afrique fesse. Afrique fesse. Je dis encore. Le Togo. Pour les Togolais. Je dis encore. Le Togo. Pour les Togolais. Les Togolais d'abord. Les Africains d'abord. Les Sénégalais d'abord. Les Ivoiriens d'abord. Les Africains d'abord. Dans le nom de Jésus, en ce moment, je maudis les puissances occidentales, démoniaques, qui empêchent la croissance de l'Afrique. Que cette puissance soit anathème. Cette puissance soit anathème. Dans le nom de Jésus, les puissances démoniaques, les hôtels démoniaques, soient anathème. Les puissances occidentales, démoniaques, qui contrôlent l'Afrique, soient anathème. Les contrôleurs démoniaques sur l'Afrique soient anathème au nom de Jésus. Oui. Quelle qu'en soit leur force, leur puissance, qu'ils soient anathème. Le roi Balak a dit, Balaam, viens, maudis-moi ce peuple, car ils sont plus puissants que moi. En les maudissant, ils seront vulnérables. Et je pourrai les vaincre. Maudis-moi ce peuple. Je les maudis. Je maudis les puissances démoniaques occidentales au nom de Jésus. Je l'ai maudit. Avec toute la malédiction de la terre et des cieux. Je l'ai maudit. Les esprits. En alliance. Les esprits territoriaux, quoi. Et nous tombons pas bambao. En alliance. Avec leur esprit. Soit anathème. Les esprits. Bambao. Les esprits territoriaux. Qui sont en alliance avec ces esprits, ces esprits occidentaux, soit anathème. Les esprits territoriaux là, soit maudits. Ces esprits territoriaux en alliance avec les esprits occidentaux, Je vous réduis ensemble. Soyez nuls à partir d'aujourd'hui. Vous êtes nuls. Nul en Afrique. Nul au Togo. Nul en Afrique. Nul dans mon pays. Nul au Togo. Nul. Nul. Que l'évangile de la vérité croisse en Afrique. Que l'évangile de la vérité soit prêché en Afrique. Dans le nom de Jésus. Que les hérésies
des occidentaux là. Ça n'a qu'à rester avec eux là-bas. Nous, on ne veut pas ça. Les hérésies là. L'enseignement de Satan là. Les églises de la reine du ciel là. On ne veut pas ça. On ne veut pas les églises de la reine du ciel. On ne veut pas les églises de la franc-maçonnerie. On ne veut pas les églises des chrétiens, pas les Illuminati. On veut les églises de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ. Où la saine doctrine est enseignée. Je prie pour le christianisme. Je prie pour le christianisme. Dans le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu descende. Dans ces derniers jours. Sur l'église. Afin que la vraie église émerge. En Afrique et dans le monde. Que la vraie église de Jésus émerge en Afrique. Que la vraie église de Jésus émerge dans le monde. Dans le nom de Jésus. Que les résidus soient paralysés. Que les résidus soient paralysés. Que la doctrine de Satan soit paralysée. Que la doctrine de Satan soit paralysée. Que la doctrine de Satan soit paralysée. Dans le nom de Jésus. 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 Seigneur des seigneurs. Je prie pour les vrais hommes de Dieu. Je prie pour les vrais hommes de Dieu. Que les vrais hommes de Dieu se lèvent. En Afrique. Dans le monde. Aux États-Unis. L'États-Unis. Était la joie de l'évangile. Mais aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. L'États-Unis était la joie de l'évangile. Mais aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Je prie pour l'évangile aux États-Unis. 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 En Amérique, au Canada. Je prie pour l'église. L'église de Charles Finet. Je prie pour l'église de Charles Finet. Au nom de Jésus. Je prie pour l'église de Charles Finet. Au nom de Jésus. Au Père. Au Foufou. Seigneur. Rappelle-toi de ton œuvre. Dans le nom de Jésus. Absolument, je prie pour les malades. Les malades au Togo. Les malades qui me suivent en direct en Afrique. Tu es malade en ce moment. Mais je te dis, il y a une puissance qui va sortir d'ici. Pour ton rétablissement. Il y a une puissance qui va sortir d'ici. En ce moment, reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Jésus a dit, une puissance est sortie de moi qui m'a touché. En ce moment, la puissance est en train de sortir de toi. La puissance, l'onction de guérison, l'onction de guérison, l'onction de guérison. Reçois la guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Sors de cette maladie. Que cette maladie disparaisse de ton corps. Que cette maladie disparaisse de ton corps. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Instantanément, je vous bénis. Je bénis les femmes. Soyez grandes en Afrique. Soyez grandes en Afrique. Soyez grandes dans le monde. Les femmes. Les femmes du Seigneur. Les enfants de Dieu. Soyez grandes. Grandes dans le monde. Au nom puissant de Jésus. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que l'Éternel bénisse l'Afrique. Que l'Éternel bénisse les chefs d'État qui sont pour leur peuple. Que le Seigneur élève les chefs d'État qui sont pour leur peuple. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Je te bénis, Seigneur. Béni soit ton Père, Seigneur. Sois loué. Sois magnifié, Seigneur. Oh, alléluia.